à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Live du Projet. Nous sommes ravis de vous retrouver. Ce rendez-vous, vous y êtes fidèles maintenant depuis plusieurs mois pour construire ensemble un projet socialiste et écologiste. Le mois dernier, nous avons parlé de justice écologique. Après avoir mis en débat le travail et l'emploi, ainsi que la santé, aujourd'hui, nous nous retrouvons autour de l'intitulé « Grandir dans la République » où nous réfléchirons à la façon dont la République doit partir à l'assaut des inégalités. Cette émission, vous le savez, présente les réflexions et les premières propositions des socialistes, celles qu'ils veulent injecter sur la place publique pour agiter le débat à gauche. Nous avons déjà sollicité votre participation à travers différents sondages publiés sur les réseaux sociaux cette semaine et nous continuerons à le faire ce soir. Vous pourrez ensuite donner votre avis sur notre plateforme rdv2022.fr. Vous avez déjà été très nombreux à vous exprimer sur notre premier chantier du travail puisque nous avons enregistré plus de 70 000 votes. Bonsoir à tous. Ce soir, vous aurez donc la possibilité, comme d'habitude, de poser vos questions en utilisant les réseaux sociaux de l'émission avec les hashtags, l'hashtag Live du Projet et le hashtag RDV2022 sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Notre soirée, comme d'habitude, sera organisée en trois plateaux, trois séquences distinctes. On vous présentera les intervenants, ils sont nombreux au fur et à mesure des tables rondes. Et puis pour conclure, là aussi, comme d'habitude, à la fois Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste, et Boris Vallot, en charge du projet, seront là pour conclure et établir le bilan de l'heure et demie qu'on aura passée ensemble. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un détour par le petit zapping habituel de notre live. Un bon standard d'enseignement dans les cités a toujours été un défi. Ici, 27% des élèves quittent le système scolaire sans diplôme. Quand on nous dit oui, parce qu'on vient de ZEP, on ne peut pas accéder à des écoles de prestige parce qu'on est, nul, on est les derniers de l'échelle. On a réussi à installer effectivement un débat essentiel dans notre société qui est de savoir c'est quoi la justice sociale, c'est quoi l'équité, c'est quoi l'égalité. C'est quoi une élite? Et comment est-ce qu'on assure sa diversité sociale? Au début des années 2010, en France, on avait à peu près 70% des enfants d'ouvriers qui, quelques années après la fin de leurs études, exerçaient un emploi d'ouvrier ou d'employé. Alors même qu'on aime bien dire que la société française ou que les sociétés occidentales sont des sociétés méritocratiques, que quand on veut, on peut. Comme dans toutes les micro-crèches, l'effectif maximal est de 10 enfants, âgés de 2 mois à 3 ans. Mais sa particularité, ce sont ses horaires d'ouverture. Un service de garde non-stop, en dehors du week-end, et surtout sur mesure par rapport aux contraintes de travail des parents. Du foot, un rêve devenu passion pour cette jeune grenobloise. Aujourd'hui licencié du club local, le GF38, c'est grâce à une initiative unique en France qu'elle a pu se lancer. Sur le terrain voisin, une école municipale de foot entièrement gratuite, fruit d'un partenariat entre club et mairie. Beaucoup de mes élèves, soit ils n'ont pas d'ordinateur, soit l'ordinateur, il n'y en a qu'un seul dans la maison. Et ces enfants, dans ces milieux-là, n'ont pas de chambre à eux. Ils ne veulent pas de fermeture de classe. Tous dénoncent l'impact que pourraient avoir ces mesures sur les enfants déjà en grande difficulté avec cette crise sanitaire actuelle. Pour eux, c'est le principe de l'école de proximité qui est aujourd'hui mis en péril. J'enseigne, mais c'est vrai que la considération pour les enseignants a beaucoup régressé. C'est-à-dire qu'avant, dans un village, l'instituteur, c'était quelqu'un de très très important. Ah bah c'était un notable. Voilà, et maintenant, un prof, c'est plutôt l'image des gens qui veulent avoir beaucoup de vacances. Voilà. Quand on voit qu'il y a des professeurs, c'est eux qui payent les essuie-tout pour essuyer nos tables avec le spray désinfectant. C'est quand même terrible d'en arriver à ce stade-là. Tous les collèges sont bons, madame. Non, je suis désolée. Il faut vivre le cauchemar que j'ai vécu. Si mon fils il va se retrouver dans un collège 19e où il y a des agressions. Créés il y a près de 30 ans, les lycées professionnels devaient être des filières d'excellence pour former des jeunes à un métier. Sont-ils devenus des établissements au rabais pour élèves en grande difficulté? Pourquoi tant d'élèves sont-ils orientés ici par défaut? Nous sommes des personnels ici réunis, on aurait quelques mots à vous dire sur nos revendications. Il nous manque 500 postes.
à l'université d'Angers pour pouvoir faire fonctionner notre université. Nos étudiants vivent dans des conditions de précarité inacceptables, sont dans des logements, sont dans des campings aujourd'hui. Ici, nous avons des personnels précaires qui n'ont aucune perspective de titularisation. Nous avons des chercheurs qui n'arrivent plus à faire de la recherche uniquement sur le mode de l'appel à projet. Nous voudrions vous soumettre ces revendications. Nous avons besoin de 700 postes pour être seulement dans la moyenne des universités françaises. Pourquoi tu viens bénéficier de cette aide? C'est vraiment hyper important, urgent aujourd'hui? Oui, un petit peu, oui, parce qu'effectivement, là, mon frigo, il est vide depuis lundi et ça commence à devenir difficile. On parle tout à fait de génération sacrifiée, ouais. J'imaginais pas qu'en 2021, il puisse y avoir autant de jeunes qui soient sacrifiés comme ça sur l'autel de la crise économique. Et je pense que les étudiants ne sont pas suffisamment protégés. Et nous, on envoie les manifestations très concrètes et on leur vient en aide. Mais on pense qu'il y a une responsabilité importante du gouvernement aussi. Comment c'est possible en France. Pour ce premier plateau, nous accueillons Ghislaine David, co-secrétaire générale et porte-parole du SNUP-FSU, Céline Hervieux, qui est conseillère de Paris, déléguée à la petite enfance et secrétaire nationale, et Maxime Sauvage, secrétaire national à la jeunesse et au sport. Sur la ligne de départ, nous le savons, les enfants ne sont pas tous égaux selon leurs milieux sociaux, culturels et familiaux, selon leur lieu de naissance ou de résidence, selon leur entourage et leur héritage aussi. Les inégalités dans l'enfance, c'est en somme l'enfance des inégalités, car les situations inégales font se développer les enfants inégalement. Il est donc très important d'agir très vite pour ne pas laisser ces écarts se creuser. Alors, on va commencer, vous l'avez compris, on va... Au fond, avoir une sorte de parcours chronologique. On va partir de la crèche pour terminer à l'université. Et donc, on va débuter cette table ronde avec Céline. Céline Hervieux, donc tu es, on l'a dit, conseillère de Paris, chargée de la petite enfance. Tu es nouvellement secrétaire nationale depuis quelques mois maintenant sur la petite enfance, la famille et la parentalité. Donc, on va commencer au début par... la réduction des inégalités de naissance dès la petite enfance. Et dans le document que je présente, chaque mois, il y a une couleur différente. C'est Boris Vallot qui choisit la couleur, je crois. Et là, c'est bleu. C'est bleu comme la République émancipatrice à l'assaut des inégalités. C'est le titre du nouveau recueil, le quatrième, je crois, depuis le début de l'année, qui nous servira de guide tout au long de cette soirée et que vous pourrez lire dès que cette table ronde sera terminée. Donc, dans ce livret, il y a la proposition de la généralisation de l'entretien prénatal précoce. Peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi cet entretien prénatal est une des propositions phares de ce document. Oui, tout à fait, Luc. En fait, quand nous avons réfléchi à ce projet, vous parliez tout à l'heure de la crèche, du fait de commencer par la crèche. En réalité, on commence bien avant. Et la vie de l'individu, elle commence... avant, dans la période prénatale, et l'enjeu autour de la grossesse et de l'accompagnement des parents pendant la grossesse est aussi fondamental. Et c'est là que l'entretien prénatal précoce intervient. Donc c'est un temps d'échange et de dialogue, de relais d'informations avec les mères et le second parent ou le père, qui peut arriver donc à partir du quatrième mois de grossesse. Donc en général, c'est un ou une sage-femme qui tient cet entretien et qui va permettre de relayer un certain nombre d'informations et de prévention des troubles qui peuvent apparaître pendant la grossesse. Et souvent, dans le cadre d'un premier enfant, c'est extrêmement important pour pouvoir prévenir un certain nombre de troubles qui peuvent apparaître, notamment ce qu'on appelle les troubles pré- ou post-partum, notamment la prévention autour de l'usage de toxiques pendant la grossesse, que ce soit l'alcool, la drogue, éventuellement certains médicaments. Il y a beaucoup de sujets qui peuvent être abordés pendant cet entretien prénatal précoce qui avait été créé en 2007. Et il est essentiel que l'ensemble des familles puissent avoir accès à cet entretien prénatal précoce qui permet de dépister et de prévenir un certain nombre de troubles et de constituer finalement une première relation de confiance entre les parents et un interlocuteur agréé, formé, qui va pouvoir répondre à un certain nombre de leurs interrogations. Est-ce que finalement, parce qu'on a lu que c'était obligatoire, ce serait obligatoire, est-ce que ça risque pas d'être trop contraignant et pourquoi d'ailleurs le rendre obligatoire ?
Alors, c'est très important de le rendre obligatoire. Pourquoi ? Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que seuls 28% des familles ont accès à cet entretien prénatal précoce. Et en tant que socialiste, on cherche évidemment à tout prix à lutter contre les inégalités. Et ce qu'on constate, c'est que ce sont souvent les familles les plus éloignées des services publics qui n'ont pas recours, en fait, à cet entretien prénatal précoce, qui pourtant serait extrêmement important, justement, pour engager un accompagnement qui est finalement assez pluridisciplinaire, parce qu'il est question de parentalité, mais on peut aussi évoquer la question sociale de la famille, l'histoire de la famille, comment la naissance va s'inscrire aussi dans le parcours de vie des parents. Et ça, c'est extrêmement important, y compris pour des familles qui n'auraient pas spontanément accès à cet entretien, de le rendre obligatoire, sachant que c'est pris en charge évidemment par l'assurance maladie, donc il est complètement gratuit. Donc ce caractère obligatoire, c'est pour faire en sorte que l'ensemble des familles, et notamment celles qui en auraient le plus besoin parce qu'elles n'ont pas forcément suffisamment de ressources autour d'elles ou d'une manière générale dans la vie, pour les accompagner et leur relayer de bonnes informations. Alors il y a une autre mesure qui est importante dans ce document, dans ce projet, qui a déjà fait parler, puisqu'il y a même une dépêche qui, dès cet après-midi, a rendu publique cette proposition sur la prolongation du congé paternité. Donc peut-être de rappeler un peu le débat qui a lieu actuellement, pour ceux qui ne connaissent pas les données du sujet, et puis de dire pourquoi le Parti socialiste, dans ce document, propose une durée de 3 mois obligatoire. 3 mois. Pourquoi cette durée obligatoire ? Pourquoi obligatoire ? Alors, en ce qui concerne le congé paternité, en fait, vous savez, il y a eu ce rapport des 1000 jours qui a été lancé. C'est une grande consultation avec des professionnels, des spécialistes de la petite enfance. Et ils ont interrogé près de 10 000 parents. Et le premier sujet d'inquiétude et de préoccupation des parents vis-à-vis des politiques publiques, c'est de repenser les congés parentaux dans leur ensemble, prolonger, allonger la durée des congés parentaux et une meilleure rémunération. Au Parti socialiste, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on se bat en fait pour une égalité entre le congé maternité et le congé paternité. Pourquoi ? Pourquoi cette durée des 3 mois et ce caractère obligatoire ? 3 mois tout simplement parce que l'idée est de tendre vers une égalité finalement entre la durée du congé maternité et celle du congé paternité. Aujourd'hui, le congé maternité, c'est environ 4 mois à peu près quand vous avez un premier enfant. L'idée, c'est de se dire que le rôle des pères, il est absolument fondamental dans les premiers mois de la vie de l'enfant et bien au-delà évidemment. Mais cette relation entre le père et l'enfant, évidemment, elle est précieuse dans le développement de l'enfant, mais aussi pour une meilleure répartition des tâches, et elle va venir soulager aussi la mère dans son rôle de mère et dans la répartition des tâches domestiques à la maison. Donc c'est extrêmement important qu'il puisse être allongé dans le temps. Les 3 mois, donc, pour tendre vers une égalité vis-à-vis du congé maternité, et le caractère obligatoire. Pourquoi ? Parce que ce qu'on constate, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un tiers des pères qui ne sollicite pas le congé paternité. On sait bien qu'il peut y avoir évidemment une certaine pression implicite des employeurs vis-à-vis de la prise de ce congé paternité, parce qu'il peut y avoir aussi des craintes des pères qui peuvent être légitimes. Malheureusement, dans le marché du travail tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, vous pouvez vous sentir pénalisé par le fait d'être 3 mois ou plusieurs semaines, en tout cas, absent de votre travail. Vous avez l'impression que ça va avoir un impact sur votre carrière. La généralisation et le caractère obligatoire permet finalement de soulever et d'enlever cette chape de plomb qui pèse sur les épaules des pères et voilà, de garantir ce droit fondamental d'être aux côtés de son enfant au moins pendant les trois premiers mois de sa vie, à minima. Donc évidemment, cette durée, elle peut être répartie. C'est-à-dire qu'on peut prendre une partie du congé paternité avant la naissance, on peut la prendre après, on peut la prendre à la suite du congé maternité éventuellement, donc avec une alternance. Donc c'est ça qui est important, à la fois dans la prolongation de la durée et ce caractère obligatoire auquel on tient tout particulièrement. Merci. Merci. Donc on va avancer. Donc après la petite enfance arrive l'entrée en maternelle. Guylaine David, merci d'abord d'être là, d'avoir répondu à l'invitation du PS. Vous êtes responsable du SNUP FSU. On va évoquer donc au moment de l'entrée en maternelle, on voit que les différences entre les enfants sont déjà souvent marqué. Un, comment on peut y remédier ? Et est-ce que la solution de la scolarisation des enfants avant 3 ans vous paraît bonne, adaptée et à la hauteur du défi ? Alors, c'est vrai qu'on a ces inégalités de naissance, hein, ces inégalités sociales qui sont marquées bien avant d'entrer à l'école maternelle. Et on remarque que les enfants des
des quartiers populaires, des milieux populaires, ont plus de difficultés à entrer dans la vie sociale et dans la vie collective, parce que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première entrée, c'est la première socialisation. C'est-à-dire que ces enfants-là sont souvent dans le cocon familial. Ils n'accèdent pas forcément à tous les modes de garde avant l'entrée à l'école maternelle. Et on sait que ce sont eux qui ont le plus besoin de ce cadre collectif et de l'école. On a vraiment besoin que ces enfants puissent accéder à cette structure qu'est l'école pour pouvoir apprendre, pour pouvoir grandir et pour pouvoir justement évoluer et acquérir un certain nombre de savoirs qu'ils ne pourraient pas avoir autrement. Donc la question de l'école avant 3 ans est importante parce que plus tôt on va créer ce cadre pour ces enfants, plus vite on va les faire progresser. C'est important qu'ils puissent accéder à l'école et à ce cadre collectif. Et avant 3 ans, c'est important. On l'a vu notamment dans les quartiers, dans les régions où la scolarisation des enfants de 2 ans a été très longtemps portée, et on a vu que la réussite de ces élèves était importante. Alors, on sait que les enfants qui ont un cadre à la maison qui permet d'avoir toute la culture, l'apport de la lecture, toutes ces choses-là, vont avoir moins besoin de ces choses-là, de rentrer à l'école plus tôt, mais on sait que les enfants dont parfois la langue qui est parlée à la maison n'est pas la langue de l'école, ont besoin de rentrer dans l'école plus tôt, à l'école plus tôt, pour avoir justement tout ce qu'on peut acquérir sur le langage, sur la lecture, sur la découverte, puis sur la socialisation, c'est-à-dire apprendre avec les autres, apprendre dans un cadre collectif. Donc c'est important. Oui. Justement, cette mesure, elle semble disposer de nombreux atouts. Pourtant, on voit que les classes populaires, ils sont peu attachées, voire opposées. Oui, et on l'a vu aussi. On voit parfois que certaines familles qui bénéficiaient dans les endroits où la scolarisation avant 3 ans était importante étaient parfois des catégories plutôt favorisées. C'est pas toujours simple pour les familles des quartiers populaires d'aller vers l'école. Parce que d'abord, il faut le dire, ils n'ont pas forcément un vécu très positif de l'école. Donc l'école, c'est quand même un cadre particulier. Il y a des codes spécifiques. On sait bien que les enfants, et là, le confinement l'année dernière nous l'a montré, les enfants qui s'en sortent le moins bien à la maison dans un apprentissage en distanciel, c'est les enfants dont les parents ne bénéficient pas des codes de l'école. Donc c'est important que les parents puissent rentrer dans cette école, qu'ils puissent être en communication avec les enseignants et avec tout le cadre qui fonde l'école et tout ce que l'école va pouvoir amener à leur enfant. Donc cette réticence des parents, elle est compréhensible parce que forcément on a une réticence qui peut se comprendre. Par contre, il faut vraiment créer un cadre. L'école ne peut pas toute seule. Il faut lui donner les moyens, mais il faut lui donner les moyens avec l'ensemble des structures de la petite enfance. C'est-à-dire que ça ne commence pas à 2 ans, il y a toutes les structures autour, il y a les cadres de la PMI, il y a les structures sociales. Il faut que toutes ces structures-là puissent se mettre en œuvre autour de l'école. Nous militons, nous, à la FSU, pour un service public de la petite enfance qui serait vraiment quelque chose de beaucoup plus général que l'école. On ne peut pas fonctionner sur des structures comme ça qui sont cloisonnées. Il faut pouvoir avoir des passerelles entre toutes ces structures-là pour pouvoir justement donner les moyens aux parents de rentrer dans l'école et de pouvoir acquérir tous ces codes et puis pouvoir les accueillir. Justement, quels sont les autres domaines dans lesquels, au-delà de l'âge de 3 ans ou de l'âge de 2 ans, quels sont les autres domaines dans lesquels vous pensez qu'il faut agir pour essayer de réduire ces inégalités à la racine entre la petite enfance, entre l'entrée à la maternelle, quels sont les autres curseurs sur lesquels on peut jouer? Alors, il y a évidemment plusieurs curseurs. On sait que pour réduire les inégalités, il faut donner les moyens à l'école et aux enseignants, au personnel, de pouvoir exercer leur métier, et notamment
envers les enfants des milieux les plus défavorisés, parce qu'on sait que ces enfants-là auront moins de chances d'accéder à des études supérieures. Donc il faut donner les moyens. Alors quand on parle de l'école maternelle, on sait que toutes les classes de maternelle ne bénéficient pas. D'abord, elles sont très chargées hein, pour la plupart. On a 7,5% des classes de maternelle qui ont plus de 30 élèves par classe. Donc l'école maternelle à 2 ans, c'est très bien, il faut le favoriser, mais il faut favoriser dans des bonnes conditions. Donc il faut donner les moyens. On avait un système qui fonctionnait plutôt bien, auquel on était attaché au SNUIPP, c'est le plus de maîtres que de classe, qui était l'enseignant supplémentaire qui venait partager avec l'enseignant d'abord un regard croisé sur les élèves pour pouvoir avoir des remarques, enfin voilà, et étudier un petit peu comment ça se passait dans la classe, et puis la facilité, le partage et les apprentissages en petits groupes. Ce dispositif, malheureusement, il a été abandonné au profit des classes de CP, CE1 à 12 élèves. Et on voit bien, c'est un dispositif qui était très plébiscité, qui fonctionnait bien et qui, malheureusement, a été abandonné. C'était certainement un moyen qui permettait aux élèves de mieux réussir. D'autres structures sont importantes à l'école parce qu'on ne peut pas fonctionner un enseignant, une classe. Il faut aussi avoir un certain nombre de personnels dans l'école qui permettront aux élèves de mieux réussir. Il y a nos enseignants spécialisés, hein, des réseaux d'aide, qui malheureusement ont été supprimés, beaucoup de postes ont été supprimés ces dernières années, mais ils permettaient aussi, avec leur formation spécialisée, d'avoir un autre regard sur les élèves. Et ce qui est très important, parce qu'on voit bien que le monde change et les élèves changent, il faut avoir différents regards sur l'élève pour le faire progresser. Donc il faut donner toutes ces possibilités-là. Puis ça passe nécessairement par des moyens supplémentaires, parce que quand on a 30 élèves par classe, je le disais tout à l'heure pour la maternelle, mais c'est exactement pareil à l'école élémentaire, on ne peut pas tout faire. Et puis ça passe aussi, bien évidemment, par une formation solide des enseignants, parce que, malheureusement, cette question des inégalités sociales et des inégalités scolaires, elle est très peu abordée en formation des enseignants, alors qu'elle est essentielle pour comprendre comment l'enfant va évoluer dans la société et comment il peut accéder aux études et comment il peut faire son chemin d'élève jusqu'à la fin de sa scolarité. Merci. Le gouvernement a fait de sa communication autour de l'égalité des chances un enjeu fort pour la jeunesse. Bon, on voit que dans cette crise sanitaire, la jeunesse est plutôt laissée à son sort. Nous avons tous été marqués par ces étudiants qui attendent de bénéficier d'un colis alimentaire. On a découvert un no man's land de protection pour les jeunes de moins de 25 ans. Comment on peut faire en sorte de créer un filet de sécurité pour cette jeunesse, Maxime? Je vais rebondir sur le mot que tu as utilisé, Marie, à savoir de no man's land, parce qu'il y a un impensé, ou en tout cas quelque chose qu'on doit repenser, nous socialistes, dans notre modèle social. Tu l'as dit, on l'a vu sur le zapping, on a vu des images insupportables avec cette crise sanitaire d'étudiants et plus largement de jeunes qui font la queue pour accéder à l'aide alimentaire. Je crois que la crise a montré que de nombreux jeunes sont en situation de précarité ou en tout cas peuvent basculer très rapidement dans une situation de précarité. Mais il faut avoir en tête que cette situation de précarité chez de nombreux jeunes, ce n'est pas un phénomène nouveau et tout n'est pas lié à la crise actuelle. Il y a un rapport récent qui a été publié, je crois, en décembre 2020 de l'Observatoire des inégalités qui fait un focus sur la pauvreté des jeunes. Et il y a des chiffres qui sont édifiants. Déjà, avant même le début de la crise, une personne en situation de pauvreté sur deux avait moins de 30 ans. Autre chose, c'est que le taux de pauvreté chez les 18-29 ans, entre 2002 et 2018, a progressé de 50%. Et essentiellement, cette progression s'est faite entre 2002 et 2012, je tiens à le dire. Et enfin, quand on regarde l'analyse par tranche d'âge de manière plus précise, on se rend compte que le taux de pauvreté chez les 25-30 ans, il est de 5%. Et chez les 18-24 ans, il est de 13%. Donc on voit bien qu'il y a dans notre modèle social ce trou qui fait que quand on a entre 18 et 24 ans,
on n'est pas majeur social. C'est-à-dire qu'on a la majorité civile, on a la majorité politique, mais on n'a pas le droit à ce qui s'appelle le RSA et qui fait qu'on est dans des situations parfois très compliquées financièrement. Et c'est pour ça que nous, ce que nous proposons, c'est de mettre un terme à ce trou dans notre modèle social qui fait que la France se distingue avec trois autres pays dans l'Union européenne où la majorité sociale se trouve après la majorité civile et politique. On est avec l'Espagne, hein, qui d'ailleurs a prévu de changer les choses, et également des pays comme Chypre ou le Luxembourg. Et donc, ce que nous proposons, nous, notre solution, c'est que plutôt que de faire confiance à une solidarité familiale que l'on fantasme ou en tout cas que l'on surestime, on croit à la solidarité nationale. Et c'est pour ça que notre proposition de minimum jeunesse, c'est quoi ? C'est se caler sur le montant du RSA. C'est aussi le soumettre à condition de ressources, mais c'est le distinguer du RSA de deux façons. D'une part, il serait versé de manière automatique, parce qu'aujourd'hui, l'administration a la capacité de verser de manière automatique les aides sociales. Ça permettrait de lutter contre un fléau que connaît notre modèle social aujourd'hui, c'est le taux de non-recours. Il est de 30% pour le RSA. Et l'autre chose, c'est de le verser de manière inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il serait versé sans contrepartie, parce qu'on est convaincu d'une chose, et toutes les études le montrent, et notamment les études de notre prix Nobel Esther Duflo, que la création de minima sociaux ne pousse pas la désincitation au travail, notamment parce que leurs montants sont souvent très faibles et n'incitent pas à l'oisiveté. Et donc, c'est pour ça qu'on porte cette position de manière forte. Certains veulent nous caricaturer en disant que notre projet, c'est de mettre les jeunes au RSA. Pas du tout. Comme socialiste, on doit marcher sur deux jambes. La première jambe, c'est lutter contre la pauvreté et les inégalités. L'autre jambe, c'est créer de nouveaux droits. Eh bien, il y a un minimum jeunesse. Il y a un minimum vieillesse, pardon. Il doit y avoir un minimum jeunesse. Alors justement, ce minimum jeunesse, est-ce qu'il vient se substituer à la garantie jeunesse qui existait, on parlera plus tard, parce que tu as évoqué le terme de majorité sociale, qui est un concept finalement un peu nouveau dans ce document. On parlera tout à l'heure de la majorité civique pour le droit de vote à 16 ans, mais on y viendra plus tard. Mais sur la question de la garantie jeunesse, est-ce que ça vient se substituer à la garantie jeunesse ou pas ? Alors, merci Luc pour ta question, parce que c'est très important qu'on parle de la garantie jeune. Déjà, rappeler que la garantie jeune, c'est un dispositif qui a été inventé sous le précédent quinquennat et aujourd'hui, tout le monde s'en félicite. C'est un dispositif qui est centré sur les 16-25 ans. Et c'est quoi ? C'est un parcours renforcé vers l'accompagnement, vers l'emploi ou vers la formation. Ça s'accompagne d'une aide financière. Et c'est à destination de qui ? D'un public très spécifique. C'est les jeunes sans emploi ni formation, ce qu'on appelle les NEET. Le problème de la garantie jeune aujourd'hui, c'est qu'elle bénéficie à 100 000 jeunes en situation qui sont ni en emploi ni en formation, alors qu'ils sont environ 1 million dans le pays. Et donc, comment on articule ça avec le minimum jeunesse ? Eh bien, le minimum jeunesse, c'est une aide financière qu'on verse à tous les jeunes en situation de précarité, quelle que soit leur situation, qu'ils soient soit sans emploi, sans formation, qu'ils soient soit en formation, ou alors qu'ils soient formés, mais sans emploi. Et en fait, le minimum jeunesse serait le volet financier accordé à tous les jeunes en situation de précarité, et la garantie jeune viendrait au bénéfice des jeunes sans emploi ni formation pour en fait apporter ce parcours d'accompagnement renforcé vers l'emploi et vers la formation et qui nécessiterait pour l'occasion la signature d'un contrat d'engagement. Donc ce serait un droit à l'accompagnement qui accompagnerait le droit au minimum jeunesse et qui serait centré sur les jeunes sans emploi ni formation. Et dire aussi que j'entends le gouvernement essayer de s'accaparer ce dispositif de garantie jeune. Il parle d'une garantie jeune universelle, mais quand on voit comment fonctionne la garantie jeune, si elle est universelle, c'est plus la garantie jeune, puisqu'elle est ciblée sur un public spécifique. Et si c'est la garantie jeune, du coup, elle ne peut pas être universelle. Donc, c'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une accentuation de la garantie jeune qui repose sur le minimum jeunesse. Et enfin, dernière chose, c'est que la garantie jeune universelle qui est présentée par le gouvernement, ça rentre dans leur dispositif de « un jeune, une solution ». Mais si le « un jeune, une solution » est positif sur certaines de ces mesures, force est de constater que il n'y a pas une entreprise, une solution. On a développé des aides qui bénéficient à toutes les entreprises parce qu'il y avait une vraie urgence. Et donc, c'est pour ça que notre minimum jeunesse, c'est aussi pour répondre à l'urgence. Et c'est l'accompagnement qui doit aller plus dans la précision, dans du faire sur mesure dans la situation des jeunes. Donc, c'est pour ça que minimum jeunesse plus garantie jeune, c'est ce qu'on propose pour les jeunes en situation de précarité. Merci, Maxime. Donc, on a vu la petite enfance avec Céline Hervieux. Guylaine David nous a entretenu
l'entrée en maternelle. On est passé aux 18-25 ans avec Maxime Sauvage. On se fait une petite pause. On les remercie d'abord de leur contribution. On se fait une petite pause et on part en vacances.